Bonjour à tous, c'est Blackstar, on est là donc pour faire une vidéo à la suite de la vidéo précédente. J'ai plus qu'un cœur, est-ce que je la bouffe? Oh bah oui, je la bouffe. Pourquoi que je bouffe pas? Je me cache. Je me mets en F1, ça fait trop bizarre. Non. Voilà, donc là on va attendre qu'on récupère, genre un tout petit peu. Histoire de... On a de la poudre d'os et ça, c'est génial. Que je vais pouvoir faire pousser mes arbres direct. Bon voilà, au pire c'est un creeper. Hein. Voilà. J'ai perdu un mimiqueur, je l'ai repris direct. Ouf, et ben moi je vous dis que ça a été chaud. Ça a été chaud les amis, ça a été chaud. C'était même très chaud on va dire. Parce que tout simplement c'était là. Ben regardez les épisodes précédents, vous verrez bien que ça a été très chaud. Donc je vais tout poser, tout. Je vais prendre juste le bloc de laine et je vais aller poser dans le monument de la victoire. J'aurais pu prendre le minecart quand même. Je vais aller le poser dans le monument de la victoire et je vais me vanter un peu parce que j'ai réussi le donjon numéro 1. J'aime bien en fait, cette map est sympa. Elle est même très sympa parce que j'adore les maps comme ça. Parce qu'il y a trop des moments de super stress de la mort qui tue. Et après, vous êtes tranquille pendant un moment. Et après, pouf, un autre stress de la mort qui tue. Et des fois, même quand vous êtes tranquille, vous avez un stress de la mort qui tue. Donc voilà. White Fool. Et voilà. J'ai la laine blanche. Au bout du 8e épisode, 7e, je sais pas. Bon. Et ben voilà. J'ai la laine blanche. La laine blanche est à moi. Et dans le prochain épisode, je pense pouvoir aller faire le donjon numéro 5. Ça paraît impossible comme ça, vu le temps que j'ai mis pour faire le donjon numéro 1. Mais je vais tellement m'équiper à mort que je vais y arriver. Donc j'ai de la poudre d'os, j'avais dit. Oui. Poudre d'os et un... Sur Wikibug, 3 minutes. Tranquille. On est encore tranquille. Encore une dédicace à Arnaud qui me donne des idées de jour en jour pour vous faire des vidéos et vous divertir le plus possible. Merci Arnaud. Vous pouvez lui dire merci aussi. Vous ne connaissez pas, mais je m'en. Pas les couilles. Je sais pas si ça va passer sur YouTube. En plus, j'ai pas de truc de montage alors. Qu'est-ce que... Si ça passe pas, je suis des. Bon, de toute façon, si vous l'entendez, c'est que ça passe. Alors. Oula. Donc la poudre d'os, hop, et voilà. L'utilité de la poudre d'os. C'est qu'un petit truc et. Okay. Donc voilà, hein, le problème du bois c'est plus hein, maintenant. Enfin, c'est plus. Non, c'est moins justement. Hein. On a moins de problèmes avec le bois vu que. Bah, on a à volonté en fait. Hein. Ouais, voilà. Hein. Le bois on en a à volonté. Hein. On veut du bois, pouf, on a du bois. Hein. C'est tout con, mais c'est comme ça. Hein. Je plante le bois. Hop, un petit peu de poudre d'os. Il pousse sur le récolte. Voilà. C'est comme ça. Ah, puis ça fait un peu de verdure aussi parce que pff, la lave, c'est chiant. La lave. Apparemment, le spawn à creeper là-bas, je l'ai bien contrôlé quand même. Hein. Il pousse plus, je veux dire.
super utile, hein, donc peut-être même me faire une petite forêt. C'est un peu inutile. Hop là. Et hop là. Et voilà. Ah, une pomme. Et voilà, donc j'ai de la chance de tomber sur une pomme. Voilà. Voilà. Ah, je sais ce que je vais faire pour éviter de recasser le truc à chaque fois. Déjà, je vais me faire des planches. Hop, 24 et 60. Je vais les poser ici. Ah, je peux pas. Ah, il y en a 4 que je peux pas mettre. On va faire. Pardon, on va faire une porte. Voilà. Ici. Comme ça, on est tranquille. Voilà, donc c'est bon, je pense, pour le bois. On va poser ça en haut. On va poser la hache là, pareil. C'est vrai que je trouve vraiment que je trouve une pioche en diamant en fait. Puisse miner cette obsidienne là, ce serait cool. Alors, on va redescendre. Équipé à mort, et on va. Non, on va directement attaquer sur le 5, je pense. Un arc, donc les flèches, on les met dans l'inventaire. Les torches, on les prend. On prend des cookies. Non, les cookies, ça sert absolument à rien. On prend ça, on en prend 2 quand même. 3, allez. 4 pour être sûr. On prend la viande des zombies. Voilà, on a vraiment beaucoup de bouffe. De quoi faire des luminaires. Et 64 de stone. Avec une pioche. Une pioche, une pioche. Voilà, deux pioches en pire. Histoire de. Ah, je peux encore faire ça. Que je mets là. Parce que pour l'instant, je m'en bats les couilles. Oh, putain, j'arrête pas de dire rien, je m'en bats les couilles. C'est pas super. Alors, donc on va y aller. On va y aller, c'est parti. C'est parti. Deux donjons d'affilée. Si j'y arrive, le donjon numéro 5. Si j'arrive au donjon numéro 5 sans avoir une torche qui sert à rien, sans être mort, je suis un boss. Je m'attaque directement au donjon dernier là, avec le cochon, genre. Alors, voyons voir. Hop, d'accord. Donc le donjon se trouve juste derrière. Hop. Ça doit puller là. Ah, mais le son. Je peux le remettre maintenant. Ah, j'entends Ghast. Squelette. Et Arié. Bien évidemment. On va remonter direct. D'accord. Donc ici, c'est comme ça, c'est là. Ça sent mauvais quand même. Ce donjon sent mauvais. Il pue quand même. Voilà. On va prendre des choses. Bon voilà, maintenant j'ai fait une connerie vu que cet endroit pullule de monstres en fait.
bah tout va bien. En fait, c'est trop facile comme endroit, en fait. Enfin, je veux dire, les circonstances du donjon, elles sont juste trop simples. Voilà, regardez. Voilà pourquoi le donjon est simple. C'est parce que la moindre lave... Et voilà. Voilà, donc là, je suis protégé. Je fais ça. Et là, je suis protégé. Un bon. Suffit d'éclairer ici. J'ai un double gueule. Oh la merde! La merde! Je suis crevé! Allez! Regain des vies! Oh putain, j'ai chaud. Voilà pourquoi c'est trop simple en fait. Ça. Et voilà. Et là, il a un terrain couvert. Voilà. Tous les meufs qui meurent. Je ne sais pas où il est, le gars. Bon, on va éviter de faire ça. Putain, mais il est où? Là-bas, oui, il y a plein de creepers. On va faire comme ça. Salut, toi. Voilà. Putain, mais si j'arrive pas à passer là, ça va être casse-couille. Hein. Alors, ça. En fait, ça va casse-couille, hein, ce donjon. J'entends un gaz. Alors, je sais pas où il est en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a juste des creepers. C'est juste des creepers partout. Et comme ça, ça va être un endroit où, parsemé de lave, en fait, ça va être moins facile que ce que j'avais prévu quand même. Quand même. Non! Voilà, évitez de spawner par ici. En fait, il faut mettre des torches partout, c'est pour éviter les spawns. Vas-y. Genre de truc là, il faut éviter. Allez, survie. Non ! On y retourne. Ça, c'est la nuit en plus. Il est un peu casse-couille ce donjon. Bon, je m'en fous des monstres.
Ah, le jeu qui crame. Ça empêche que dalle. Alors, faut retrouver le donjon par contre. Ça va être chiant. Parce que je sais pas où il est. Si on continue comme ça et qu'on regarde sur la gauche, normalement il devrait y être. Il devrait être par là. Ouais, c'est bon. On espère et on se rééquipe. Équipé. Alors, on va faire ça pour faire des lumières. Ça fait deux lumières. On garde la moustistone. Le cobble, on la met là. Le bout, on garde ici. Ça, ok. Alors, un truc que je veux voir, si je creuse en dessous de moi. Et de la lave aussi. Voilà. Plus de spawner, hein. Plus peur ici. Tiens, les zombies. Non. Alors. Ah non, je vais mourir. Je vais me mettre là quand même. Ah non. Chaud. Alors, de ce côté-là, on sécurise. On sécurise pour être sûr de ne pas y aller. Ça, je peux reculer sans me faire. Ici, on fait gaffe. Oh non, ça fait trop longtemps là, je pense. Ah ouais, bah je vais arrêter là, les amis. Au revoir.